Coucou la famille, sortez, oh, sortez. Sortez, il y a un du soco. Un du soco. Une affaire de quoi? Une affaire de soute. Vous connaissez non, le pistache? Ok. Aujourd'hui, qui bouffe la tontine? C'est tonton Valseo qui bouffe la tontine. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a une fille qui chante. Elle a besoin de visibilité. C'est comme ça qu'elle entre dans l'inbox du tonton, l'expliquer un peu que voilà, depuis que je chante, depuis que je fais les trucs là, jusqu'à fatiguer, je n'ai même plus une petite visibilité. S'il te plaît, est-ce qu'avec ta notoriété et tout ça, tu peux bien me donner un peu de vue, me faire un peu de pub et tout, bref, me donner une place aussi dans ton spectacle et tout. Apparemment, selon la mère du Soko, la mère que celle-là même que quand quelque chose se retrouve sur Facebook, elle a le droit, l'obligation de parler. Vous connaissez Yakissé, il s'agit de qui? Aïcha Kamoaz, ouais. Donc, selon Aïcha Kamoaz, elle dit que la fille est partie comme ça demander à tonton que voilà, un peu de visibilité et tout, tout ça. Le tonton a dit que mon frère, comment tu veux que je donne la visibilité? Il faut que moi-même, je goûte. Il faut que je goûte un peu avant de te donner la visibilité. Donc, comment est-ce que la mère du Soko est au courant de ça? Parce que la fille est entrée dans son inbox à elle en étant outrée par la réponse de tonton Valseo. Elle a décidé d'aller voir la mère du Soko maintenant. Pour déballer, pour verser, pour bombarder, pour tout faire. Adama, donc ça chauffe comme ça là. Donc ça chauffe comme ça là. Donc les nous-ci là, qui n'avons pas de visibilité là. Donc l'exemple, s'il nous serve de leçon, on ne peut même pas entrer dans l'inbox de X ou Y pour demander que ouais, piston-moi un peu, pousse-moi un peu, parle un peu de moi. Parle un peu de moi. Maintenant, je sais que oui, le plus souvent, quand tu as besoin de visibilité, tu as besoin de des gens, que les gens te découvrent et tout, tu peux prendre une personne qui est assez connue, aller puis te faire un partenariat financier. Maintenant, dans cette histoire-ci, est-ce qu'il s'agissait d'un partenariat financier ou d'un partenariat de zoo? Est-ce que la fille aussi nous a tout dit? Parce que moi, je sais que, ok, s'il s'agit peut-être d'un partenariat financier que tu démarres, la personne te dit, ok, comment je te donne la visibilité? Il va falloir que tu me donnes peut-être tellement de temps. Je sais que généralement ça se passe comme ça. Est-ce qu'elle nous dit tout? Est-ce qu'elle ne nous dit pas tout? Pardon. Je ne veux pas trop parler. Déjà, j'espère que je ne vous ai pas spoilé. J'espère. Suivez le direct de la mère du Soko pour comprendre bien l'affaire. Si, pour comprendre l'affaire si on se retrouve à la fin pour débattre. Meilleurs et meilleurs, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Sortez, meilleurs et meilleurs, c'est chaud. Voilà, tout à l'heure, je me repose et dis que je m'en vais un peu patrouiller. En patrouillant, je tombe sur le dossier de tonton Valseo. Je dis que s'il vous plaît, bipez-moi le père de la clinique d'abord ici là. Les enfants, bipez le père de la clinique d'abord ici. Il y a une fille là qui dit que... Parce que vous savez que quand on vient sur Facebook faire les donneurs de leçons, les machins et tout, et tout, et tout, et tout, il faut aussi que... Il n'y a pas les squelettes dans les placards. Vous savez, moi, je sais que souvent, il y a les jokes qui sont connus. Quand une petite fille vient un peu comme cela pour être aussi un peu connue, le jour dit que attends d'abord, il veut goûter. Voilà alors. Fille Choco dit que ce n'est pas. Que ce n'est pas un homme. Non, papa, voici Ngamia. Pardon, excusez-moi. Attendez d'abord. Non, papa, tu es du voisin de Mia. Wow. Soto. Attendez, meilleurs et meilleurs, écoutez. Donc, la fille dit comme elle est allée voir le père de la clinique. Quand il faisait son conseil au Zénith. Elle a
dit au père de la clinique que le père, comme tu vois comme ça, moi aussi je chante, mais je n'ai pas de visibilité. Que s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un peu de visibilité? Le père a seulement répondu que tu as des... Donc, on n'a pas parlé de ma musique, on a parlé du fait que je suis bonne. Voilà. C'est normal. Je ne connais pas sa vie, ça m'intéresse pas. Mais il a même pas écouté ta musique. Je ne sais pas. En tout cas, il a dit que je ne pouvais pas déplacer du monde pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est pas possible pour moi de jouer à son zénith. Mais par contre, je voulais bien me rencontrer au restaurant. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas compris, en fait. La fille vient le voir. Qu'elle veut passer à son concert. Qu'elle me chante. Qu'elle chante, elle veut passer à son concert pour avoir plus de visibilité. Le père dit que pour l'instant, non, sa musique là ne l'intéresse pas. Mais par contre, ils peuvent se voir au restaurant Bouka, pris pour appuyer les seins. Pardon, écoutons le père Vassero. Vassero, tu dois ouvrir ta clinique pour toi-même. Vassero doit ouvrir sa clinique pour lui-même. Il doit se prendre à sa clinique demain. Parce que, comment la jeune fille vient te voir qu'elle veut chanter? Tu dis que sa musique n'est pas bonne. Par contre, vous pouvez vous voir au restaurant pour que tu appuies. Non, mon Vassero. Non, mon Vassero, tu voulais aussi une gamine. Non, parce que moi, tu voulais engagner la fille d'autrui, hein? Ouais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non. Donc, même parce que on voulait. Elle dit à Vassero que, ouais, je vais faire la première partie de ton concert. Vassero dit qu'en voit la musique, j'écoute. Il écoute. Il lui dit que tu ne peux pas ramener du monde, mais par contre, tu es bonne. Tu as des bons seins. Est-ce qu'on peut se voir au restaurant? Attends, c'est comment elle a balancé ça. Elle a balancé ça. Le gang de stage général dans le store, j'arrive. Là, j'ai les meilleurs amis de l'État criminel, c'est où? Les meilleurs amis de l'État criminel, où? Ma, je ne savais pas comment c'est, moi aussi, une gamine. Je ne savais pas qu'il est même gagné. Donc, ma attendons. La musique que la fille a présentée ne l'intéresse pas. Mais par contre, il a dit qu'elle a des bons seins. Qu'elle se voit au restaurant, il peut pas. Ma. T'avais les mentalités comme ça qui veut changer le Cameroun. Ma, j'ai un risque. Ma, j'ai un risque de se coucher par terre. Hein? Ma, il veut te s'engager le chocolat. Ouais, j'ai tout à l'heure, il t'a dit que laisse-moi m'en vais patrouiller, laisse-moi pas patrouiller. Tu me déranges. Il t'a dit que laisse-moi m'en vais patrouiller. Maman, parce que nous a donné le travail pour la semaine. Que quoi? Qui nous a donné le travail pour la semaine? Ma, j'ai ri jusqu'à, j'ai mal aux côtes. Tu vois, quand tu ris trop la norme. Je ne regardais plus tes vidéos parce que tu sais, à un moment donné, c'est pas mon égal pour trop le framponner, tu y as non? Oui. Non? Je préférais le laisser comme ça, je ne voyais plus ces dégâts. Oui. Voilà, mais là, ça me suffit. Ma, il va envoyer ça à Samuel Eto'o. Envoie-moi. Je vais envoyer. Ah, je dirais, parce qu'on a honte de ça. Envoie d'abord Lolita, envoie Lolita la parole, elle va mourir. Ma, il va envoyer ça. La musique qu'elle venait de présenter. Hein? Oh, c'est pas gentil. Oh, c'est pas poulet. Il a dit que non, ma, qu'elle ne peut pas ramener du monde dans la salle, donc il ne veut pas la prendre. Hein? Oui. Mais par contre, il veut bien la voir au restaurant. Parce qu'elle a des bons seins. Respect pour la famille. Parce qu'elle a des bons seins. Hey, la baie, tonton, la baie, tu as fait foi, hein? Oui, ma. Ma, ouais, elle était qu'elle patrouillait, ma, elle patrouille. Hein, je patrouille. Elle dit qu'il y a quelques jours, on montrait une vidéo de lui où il était en train de donner les conseils
Pour le père, mais général, donc c'est ton poids qui est comme ça. Non, ma, j'ai dit que j'ai un risque que je tombe par terre. Non, moi d'abord, j'écoute comme ça, ça va bien nous donner l'inspiration pour lui donner deux doses. Ok, ma, attends, il t'envoie ça tout de suite. Il t'envoie ça. Regarde ton live. Ok. Non, le général va se renom. Chapeau. Alors, chers abonnés, ma petite famille, la vidéo est terminée. Vous avez suivi ça comme moi? Vous avez suivi ça comme moi? Si oui, moi je vous ai dit ma part au début, non. Dites-moi pour vous maintenant en commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi pour vous en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire de Zout, de Tonton Valseo et de... Dites-moi ce que vous pensez vraiment. Alors moi, je vous demande de vous abonner à ma page parce qu'ici, j'ai trois playlists. Une de confiance en soi, développement personnel où je donne un peu les petites tactiques, les petits trucs là avec les lopères, les petits amis et tout. Une autre où je parle de true story time quand les choses arrivent vraiment dans le côté truth, vérité et tout et tout. Et une de gossip, japap, affairage comme vous voulez. Abonnez-vous. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris la peine de m'écouter, d'avoir liké et d'avoir partagé. Comme toujours, en fonction de où vous m'écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou fin de soirée. Merci. Au revoir, à la prochaine.